Bonjour à toutes et à tous. Après 15 années d'expérience acquise dans l'enseignement du français et de la littérature française dans les collèges secondaires de l'île Maurice, je me prépare à participer cette année au Forum pédagogique international qui se tiendra du 4 au 8 novembre. Je suis Vivieux Figaro, enseignant de français. Actuellement, j'assume la fonction de chef de faculté de français dans un collège d'État à Saint-Aubin, une bourgade du sud de l'île. Je suis également l'auteur du manuel scolaire Passerelle. Ce manuel met en pratique les objectifs du NCF et de la réforme du 9-year Continuous Basic Education et les recommandations du CIE. Passerelle est destinée à l'enseignement du français dans les collèges de Maurice, de Rodrigue et de la Riga. Passerelle existe en 5 volumes pour les besoins d'apprentissage des élèves de grade 7 à grade 11. D'ores et déjà, j'aimerais remercier l'équipe organisatrice de ce forum et également le gouvernement mauricien qui nous a offert une occasion unique de porter les pratiques innovantes de l'éducation mauricienne à l'échelle planétaire. Un pédagogique international est sans conteste une occasion de partage et d'enrichissement professionnel et personnel. C'est sans aucun doute la plateforme idéale pour échanger nos points de vue en matière de l'enseignement et de l'apprentissage moderne. La grande question est comment arriver à captiver l'attention totale des apprenants, surtout en matière de l'enseignement et de l'apprentissage de langue, dans la classe moderne. Les élèves sont constamment sollicités et distraits par leur portable et autres écrans. Quelle place doit-on accorder à ces écrans dans l'enseignement moderne? Ou doit-on tout simplement ignorer ces écrans? Comment peut-on susciter l'appétence cognitive des apprenants modernes sans tenir compte de ces écrans? Tel sera le thème de mon intervention lors du forum. En attendant, bonne préparation à toutes et à tous. À très bientôt.